nécessaire. Il avait vraiment été pensé pour travailler autour de la vanille de Tahiti, qui est un produit brut mais assez doux. Le but, c'était vraiment de lui donner du caractère, de renforcer toute sa puissance, surtout en la travaillant de manière torréfiée. D'où l'idée de la feuille de tabac. Et la feuille de tabac, c'était un produit que j'avais découvert en l'état brut et j'avais vraiment envie de trouver une texture et une façon de le travailler pour la rendre comestible. C'est un produit qui est assez difficile à travailler parce que c'est un produit très fragile. C'est beaucoup d'étapes successives, plusieurs blanchiments d'eau et de sirop de confisage. La vanille de Tahiti, elle a un caractère différent de celle de Madagascar. Elle est plus douce, elle rappelle un petit peu l'enfance. Donc moi, j'ai un peu voulu retrouver l'enfance dans ce dessert, mais en y apportant un petit peu de caractère, un petit peu de puissance et un peu d'amertume. Et à la dégustation, c'est vraiment de casser justement cette coque de feuilles de tabac caramélisées et d'y plonger la cuillère vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à toucher l'assiette pour en avoir toutes les textures et toutes les intensités de goût.